Les enfants reçoivent-ils régulièrement de l'argent de poche? Eh bien, en général, oui. Plus de 6 enfants sur 10 reçoivent de quoi alimenter leur tirelire. Et 3/4 d'entre eux ont commencé à recevoir de l'argent avant leurs 13 ans. C'est principalement vers 11-12 ans qu'ils reçoivent pour la première fois de l'argent de poche. Alors, à quel montant s'élève cette gringuelle? Ça varie fortement et surtout en fonction de l'âge. Voici les moyennes. Entre 6 et 9 ans, l'enfant reçoit près de 4 euros. À partir de 10 ans, l'argent de poche grimpe à plus de 17 euros. À 15 ans, l'enfant touche près de 54 euros. Enfin, après 20 ans, ils reçoivent environ 80 euros par mois. Et que font les enfants, les adolescents avec cet argent? Eh bien, là aussi, ça dépend. 35% choisissent de dépenser leur argent dans les loisirs, sorties, films, concerts. Un enfant sur 5 achète de la nourriture. 17% l'utilise pour sa consommation, téléphone. Et enfin, 15% ravitaillent leur garde-robe. Alors, si on imagine que cet argent est souvent donné en cash, la moitié des enfants, tout âge confondu, possèdent déjà une carte de paiement. Et ils sont même 1 sur 4 à ne pas avoir de limite de retrait, si ce n'est évidemment le solde disponible. Un chiffre étonnant pour terminer, entre 6 et 12 ans, un enfant sur 10 possède déjà une carte de paiement. Merci à vous Clémence.